et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. On chante, nous allons. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce soir. Je veux juste que tu te tiennes debout et que tu salues la présence de Dieu ce soir. Lève-toi et commence à prononcer de bonnes paroles. Dis: Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu peux lever la main pour signaler au Saint-Esprit que tu es présent ce soir? Regarde ton voisin, dis-lui: Dieu te fera du bien ce soir. Si ton voisin ne veut pas que tu sois béni, tu peux changer de voisin, parce que la bénédiction, elle est d'abord. Ne donne pas une bénédiction qui n'est suivi d'aucun chagrin. Dit: voisin, moi je vais te bénir, laisse-moi en paix. Salue quelqu'un, dis-lui: tu es une bénédiction ce soir pour moi. Amen. Amen. Je sais que actuellement ton voisin n'a même pas encore conscience de qui tu es. Dis-lui: voisin, c'est parce que je suis là que tu es béni en ce soir. Amen. Est-ce que tu ne trouves pas que ton voisin, il est beau en ce soir? Tu ne trouves pas que ta voisine, elle est belle? En tout cas, je vous trouve beau ce soir, je vous trouve belle. Déplace-toi et salue. Nous ne sommes pas trop nombreux. Déplace-toi et salue quelqu'un. Dis-lui: bienvenue dans la présence de Dieu. Ne sois pas méchant. Fais l'effort de saluer 3 personnes, 5 personnes. Prononce de bonnes paroles. Dis-lui: ce soir, nous allons adorer Dieu. Ce soir, nous allons entrer dans une autre dimension de l'adoration. Ce soir, nous verrons Dieu. Dis-lui: ce soir, tu verras Dieu bizarrement. Dis-lui. Dis-lui, voisin, ce soir, tu verras Dieu bizarrement. Il y a quelqu'un qui dit que Anne attendait Samuel. Lorsque Anne entrait dans la présence de Dieu, la Bible dit que Anne a tellement prié. Lorsque le prophète Élie a vu Anne, aussi au juste. Parce qu'il avait l'impression que Anne était ivre. Anne lui a dit: frère, prophète,
Tu sais Dieu, mais il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des dimensions dans lesquelles tu ne peux pas entrer parce que c'est la dimension pour moi de l'intimité. Dis à ton voisin la dimension de l'intimité. Vous savez, l'intimité peut te faire, l'intimité te donne accès, te permet de connaître ton mari que tes autres camarades. Même ta meilleure amie ne connaît pas ton mari mieux que toi-même. Et ton intimité en ce soir avec Dieu te va démontrer combien de fois tu vas adorer Dieu. Amen. Lorsque la Bible dit que Anne se mortifiait, à chaque fois Anne pleurait lorsqu'elle entrait dans la présence de Dieu et Anne a fléchi les genoux. Dit Anne est devenue bizarre parce que j'ai jamais vu une prière qui peut saouler quelqu'un. Bien aimé, c'est parce que Anne attendait un enfant et elle est rentrée dans la présence de Dieu. Et je pense qu'en ce soir, même quelqu'un qui n'a pas de sujet, un sujet de prière adressé à Dieu. Amen. Le thème de ce soir, c'est Saint, Saint, Saint. Vous savez, lorsqu'on dit Saint, Saint, c'est pas parce qu'en réalité Dieu est trois fois Saint. Est-ce que vous savez qu'on ne peut quantifier la sainteté de Dieu? Mais lorsqu'on dit Saint, Saint, c'est juste l'écho. C'est juste l'écho de la personne de ce que Dieu est. Mais en ce soir, nous n'allons pas seulement nous contempler de l'écho de Dieu, mais nous allons entrer dans ses parvis. Nous allons entrer dans le lieu saint et nous allons avoir accès en ce soir au lieu très saint. Amen. Est-ce que tu le crois avec moi? Je veux juste que tu fermes les yeux avant sans prier le Seigneur. Tu vas prier et tu vas soumettre ce temps à Dieu. Tu vas dire au Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses. Tu vas dire à Dieu d'enlever ta personne. Comme Jean-Baptiste, tu vas dire Seigneur, je veux diminuer afin que toi tu grandisses. Tu vas dire Seigneur, élève-moi en ce soir. Donne-moi un cœur pur pour pouvoir t'adorer. Donne-moi un cœur qui est disposé à pouvoir t'adorer. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier le Seigneur? Seigneur, merci. Seigneur, merci. Toi qui as jamais. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir. Nous voulons contempler tes bienfaits. Merci à toi qui règne à jamais. Merci à toi qui es fort, à toi qui es puissant, à toi qui es bon. À toi qui es redoutable, il n'y a personne comme toi. Seigneur, nous voyons des personnes qui sont couchées actuellement, en paix dans des hôpitaux. Mais à nous, tu nous fais, Seigneur. C'est toi qui prends le pauvre de la boue et tu le fais asseoir à la table des rois. Seigneur, pauvre que nous étions, Père, Seigneur, perdu que nous étions, tu nous as racheté à un grand prix. Seigneur, tu nous as racheté à un grand prix et nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons humilier nos cœurs devant de toi et nous prions que ta personne nous inonde. Nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, la Bible déclare qu'à la Pentecôte, les gens n'ont pas réclamé à manger, mais ils ont juste demandé ton esprit. Que ton esprit soit sur nous ce soir. Que l'esprit des adorateurs soit sur nous ce soir. Tu as dit à David, David, tu es l'homme selon mon cœur. Seigneur, c'est parce que David t'a pas fou pour moi. Nous voulons t'adorer par nos chants. Je prie que l'atmosphère de ce lieu soit changée de par toi au nom de Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Seigneur, fais-nous la grâce d'entrer dans ta présence. Nous voulons te voir agir au nom de Jésus. Nous voulons te voir agir, Seigneur. Et les paroles prient le Seigneur. Demande à Dieu que tout est grâce. Dis à Dieu que sa grâce sera bonne dans ces lieux. Que le péché soit éloigné, mais que sa grâce sera bonne. Que l'une des adorateurs soit sur toi en ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier comme un adorateur? Merci. Amen. Tu vas prier encore et tu vas célébrer Dieu. Tu vas lui dire merci. La Bible dit en somme 1, il dit heureux ces personnes-là qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs, en compagnie des pécheurs, en compagnie des voleurs, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et qui méditent le livre de la vie jour et nuit. Dans la présence de Dieu. Dis, tu ne connais pas ta présence dans la présence de Dieu. Bishop des évêques. Mais Dieu dit dans les derniers temps, il ne recherche pas des personnes qui se qualifient pour un grand ministère prophétique. Mais il dit, je cherche des vrais adorateurs. Dis à quelqu'un, ne sois pas seulement un adorateur, mais sois un vrai. Qui a des parents ici qui sont dans le nord, des parents qui sont dans le sud? Vous connaissez nos parents, ils adorent les statues, ils adorent les eaux. On a des parents même qui adorent des chiens.
Dis c'est pitié. Oh, si ton voisin ne te dit pas c'est pitié, c'est parce qu'il aime adorer le chien. Dis voisin, moi j'adore Jésus, c'est pitié pour eux. Vous comprenez? Et ceux-là, moi je les appelle les adorateurs. Qui est d'accord avec moi? Ce sont des adorateurs. Mais la chose, ils n'ont pas deux secrets. Pour entrer dans la gloire de la seconde maison, dis à ton voisin, tu as besoin de deux secrets. Et ces personnes-là n'ont pas ces deux secrets-là que nous avons. Et c'est quoi ces secrets? Adorer Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que tu es prêt pour adorer Jésus en ce soir, en esprit et en vérité? Amen. Vous savez, lorsque j'ai commencé à apprendre à jouer au piano, j'allais jouer au piano à l'église parce que vraiment, il y a de belles filles à l'église. Est-ce que les femmes ne sont pas belles? Acclamons les femmes, elles sont toutes belles. Amen. Ne sois pas jaloux, homme. Acclame la femme. Amen. Vous savez, il y avait tellement de belles filles à l'église que lorsque j'apprenais à jouer au piano, je faisais des veillées de répétition à cause des femmes. Dis à quelqu'un, il m'étonnait ce jeune homme-là. Malgré mon jeune âge, à cause des jeunes filles de l'église, je m'en foutais. Tu es enfant de pasteur ou tu es enfant de prêtre. C'est la fête, quoi. Mais lorsque Dieu a changé ma mentalité, j'ai compris que de ma petite personne, le diable a voulu m'utiliser pour faire de grandes choses, mais qui sont mauvaises. Mais Dieu m'a dit, fils, je t'ai racheté un grand prix. Et tu vas m'adorer comme tu ne m'as jamais adoré auparavant. Et en ce soir, la seule prière que je veux que tu adresses à Dieu, tu vas dire, Seigneur, qualifie-moi en ce soir pour une grande adoration. Est-ce que tu peux te lever et commencer à faire cette prière à Dieu? Désolé si je te fatigue, mais ce soir nous allons adorer Dieu. Dis Seigneur, je veux que tu me qualifies en ce soir pour une grande adoration. Qu'au sortir d'ici, que ma vie ne soit plus jamais la même. Seigneur, tu vas dire change les choses en moi, change ma façon de t'adorer. Même la prière est une adoration, même l'offrande est une adoration. Dieu qui n'a point de sang. Seulement pas un moment, mais c'est un temps dans la présence de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu verras de grandes choses en ce soir. Le Seigneur a commencé à changer des vies. Le Seigneur a commencé à nous faire passer à une autre dimension de l'adoration. Voyons ce soir, nous allons expérimenter de grandes choses. Le Seigneur a besoin de notre jeunesse pour pouvoir l'adorer. Et en ce soir, je veux humblement par ma voix vous souhaiter la bienvenue. Et je veux inviter quelqu'un. Il y a une prière que le Seigneur m'a mis à cœur pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit un jour, il m'a dit, fils, il n'y a pas encore des adorateurs en Côte d'Ivoire. Il y a juste des artistes. Il y a l'éloquence en Côte d'Ivoire dans l'adoration, mais il n'y a pas encore le cœur des adorateurs. Amen. C'est pourquoi on va se lever, on va chanter ce cantique qui dit « Il est fidèle ». Et ça sera comme une prière que tu adresses à Dieu pour dire « Seigneur, assurément, ce n'est pas à moi seul que Dieu a dit ça. Il a parlé à plein de personnes. Lorsque tu vas dire « Seigneur, tu es fidèle, mon Jésus est fidèle », c'est une prière que tu adresses à Dieu pour lui dire « Seigneur, je sais que pour la Côte d'Ivoire, tu peux faire de même aussi ». Cette prière-là va démontrer à Dieu que nous avons besoin des vrais adorateurs et que cela commence par notre propre vie. La première discipline dans l'adoration, c'est le caractère. Si tu n'as pas encore le caractère pour pouvoir adorer Dieu, tu ne pourras jamais l'adorer. Amen. Libère ton esprit et pense à la grandeur de notre Dieu. Il est le seul grand Dieu à qui nous donnons puissance et honneur. Alléluia. Alléluia. Ne pense plus à tes problèmes. Pense à la grandeur de notre Dieu. Il est le seul qui règle tous ses problèmes. Rien n'est possible à Dieu. Alléluia. Assis sur son trône de gloire, il fait de la terre son marche pied. Seni Elige Linda Ola Munayo Ekango Linda Yongo Natatoli
Seigneur, sois avec moi. On a besoin du Seigneur. Et ce chant veut dire, Seigneur, sois avec moi. J'ai cherché ailleurs, mais je n'ai pas eu mieux que toi. Seigneur, je t'aime. Alors ce soir, tu vas faire cette prière avec nous. Tu vas dire, Yahweh Zaladanga. Seigneur, je te veux encore et encore, encore et encore. Nous voulons être sensibles à nos rencontres ce soir, Jésus-Christ et Lazare.